C'est avec un immense plaisir que je voudrais vous souhaiter à tous la cordiale bienvenue dans notre cité, la cité de la Panthère, pour la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque 25 avril. Mon enfant! Mon enfant! Un maladie qui tue nos enfants et dont le thème cette année est Zéro Palu, tirer un trait sur le paludisme. Ici en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme a diminué de la moitié depuis seulement 2016. Malgré les progrès, le paludisme demeure chez les enfants de moins de 5 ans la première cause de consultation médicale et la troisième cause de mortalité. Vous conviendrez donc avec moi que le paludisme entretient la pauvreté au sein des familles qui, chaque année, consacrent une partie importante de leurs revenus pour traiter cette maladie, qu'on peut pourtant prévenir en dormant simplement toute la nuit sous un moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Prenons bien soin de nous et restons en bonne santé pour une Côte d'Ivoire sans paludisme. Je vous remercie. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de la 14e journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Côte d'Ivoire organise, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Cette campagne, qui a débuté en mars 2021 par la phase de dénombrement, aura lieu dans les 113 districts sanitaires avec la distribution en poste fixe de plus de 19 millions de moustiquaires. PMA Vectorlink est un projet qui a été financé par le gouvernement américain à travers l'initiative du président américain dans la lutte contre le paludisme. Et nous aidons les pays endémiques dans cette lutte contre le paludisme et nous travaillons dans la lutte antivectorielle. Aujourd'hui, vous allez entendre des moustiquaires IG2, vous allez entendre des moustiquaires IBO et des moustiquaires standards. Nous appuyons également le pays, grâce au fonds du président américain, à travers PMI, 11 districts où... ...nation, éparpillée jusque dans les coins les plus reculés du pays. Il est évident que cela demande des ressources considérables. Mais c'est un investissement on ne peut plus important, car les enfants en bas âge sont à la fois les plus vulnérables et en même temps, ils représentent l'avenir du pays. Chers parents, je vous invite à vous rendre sur les sites de distribution des moustiquaires munis de votre ticket de dénombrement pour retirer les moustiquaires.